bienvenue à tous et à toutes. Si vous venez juste de vous brancher, vous inquiétez pas, vous n'avez rien manqué. Nous sommes ensemble dans l'émission pour écouter l'interview du week-end par Luciano. Startnummer 05. Zoe Straub, 11 Jahre, kommt aus Wien und die ist mit Beziehungen da reingekommen. Das geht doch überhaupt gar nicht. Doch, also ich kann sie beruhigen. Zoe hat es ganz einzig. Ich kann mich eigentlich nicht selbst beschreiben. Ich liebe Musik, egal. Also ich finde eigentlich, man kann nicht sagen, diese Musik ist schlecht und diese Musik ist nicht schlecht, weil jede Musik auf eine andere Ebene super ist. Ich tanze schon sehr gerne, aber das heißt nicht, dass ich gut tanze. Also ich habe Kitty Contest 2002 das erste Mal geschaut, da war ich noch ganz klein. Und dann ja, Now or Never von Mark Medlock geht den Fans schon. Bin wohl in euch verliebt, hab all die Jahre jeden Tag genossen. Hab euch in mein Herz geschlossen. Ich bleibe bis zur Rente hier bei euch. Ihr seid wie zwei Engel. Von 05. Zoe. Oh, geschafft. Komm her. Gemacht, weil auch die alle ganz bezaubert sind. Also sie haben irgendwie im ersten Augenblick in alle verliebt und will gar nicht mehr weg eigentlich von euch. Sag mal, du hast gesagt im Einspieler, dass du Musicals ganz gerne magst. Ja, welche also, denn so genau? Also meine zwei Lieblingsmusicals sind Elisabeth und ich habe viele andere, aber Elisabeth ist mein allerliebstes Musical. Elisabeth. Ja. Und welches dein Lieblings? Née à Vienne, en Autriche, de parents francophiles, elle a tout naturellement étudié au lycée français de la ville. Bercé dès son plus jeune âge dans un milieu de famille musicienne, il était tout à fait logique qu'elle fasse ce métier. Mais pas que, car à 19 ans, elle a déjà touché à tout ou presque. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Aujourd'hui, Luciano reçoit Zoé, 13e place pour l'Autriche au concours de l'Eurovision 2016. Et quand tu chantes, oui, moi je chante aussi. Quand tu t'élances, je suis. Et quand tu voles, oui, moi je vole aussi. Si tu t'élances, je te suis. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays. On chante dans un pays. Loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays, loin d'ici, on chante. Et quand la route nous semble sans issue, sans aucun doute, je te suis. Vous venez de terminer très honorablement à la 13e place de l'Eurovision 2016 avec cette magnifique chanson Loin d'ici. Mais nous en reparlerons un peu plus tard car tout comme les auditeurs d'Hexagone FM, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Dites-moi donc tout d'abord, vos parents étaient dans le milieu musical ? Mon père avait un groupe de musique pour je pense 20 ans et j'ai grandi avec la musique et j'ai toujours voulu être également chanteuse et musicienne. Vous-même, à quel âge avez-vous vraiment commencé le chant ? Vous avez pris des cours ? Alors en fait, j'ai toujours chanté, mais j'ai jamais pris réellement des cours de musique. Mais comme j'ai grandi avec mon père étant musicien et aussi faisant la production de musique, j'ai beaucoup appris en écoutant et en faisant part de, oui, de cette famille. Sur YouTube, j'ai découvert une chanson, Doup Doup, et le nom de Papermoon. Parlez-moi un peu de ces années-là et quel âge aviez-vous ?
Étiez-vous avec vos parents sur scène ? Je pense que j'avais 4 ans quand on a enregistré Doop Doop Doop. C'était la première chanson que j'ai enregistrée avec mon père et ma mère ensemble. Mais j'étais jamais sur scène avec eux. Faire ce métier d'artiste aussi jeune n'a pas trop perturbé votre scolarité ? Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'avais pas vraiment là le métier de l'artiste. C'était seulement après mon baccalauréat qu'on a réellement commencé à faire de la musique professionnellement. Avant ça, c'était juste comme ça, pour le fun, c'était un loisir. À quel âge avez-vous enregistré votre premier single ? Alors, la première fois que j'étais dans le studio avec mon père ensemble, nous avons enregistré une chanson que nous avons écrite ensemble. C'était il y a 3 ans et la chanson s'appelait « Je m'en fous ». Mais c'était seulement il y a un an, je pense, qu'on a sorti la chanson sur mon album début, mon premier album. Vous avez le track avant d'entrer en scène. Comment vous concentrez-vous ? Faites-vous quelque chose de spécial ? En fait, je suis toujours un peu excitée avant d'aller sur scène, mais je suis très, j'ai envie d'être sur scène. Alors lorsque la musique commence, ma nervosité, elle part et je vis le moment. Quelles ont été vos inspirations artistiques ? De qui étiez-vous ou êtes encore très grande fan ? Quelles sont vos idoles, vos artistes préférés dans le milieu musical ? J'ai grandi avec les Beatles, avec ABBA, j'adore la musique encore aujourd'hui. Et aussi avec la musique française comme Edith Piaf, mais aussi les comédies musicales, fait toujours une grande place dans ma vie. Et oui, ce sont mes inspirations. J'ai lu quelque part que vous pouviez dormir plus de 12 heures. Comment est-ce possible vu toutes vos activités ? Alors en fait, si mon calendrier le permet, j'arrive à dormir 12 heures et plus. Mais pour le moment, depuis quelques mois, c'est plus le cas. Oui, car outre la musique, la chanson, je rappelle que vous êtes également auteur, compositrice et actrice. Je pense que vous êtes une grande star dans votre pays car on vous voit dans de nombreux films et séries télé. Combien de films et séries télé avez-vous tourné ? En fait, c'est ma première série télévision. J'ai tourné il y a 2 ans. Ça s'appelle Forstad Viva, mais j'avais seulement un tout petit rôle. Et l'automne dernier, j'ai tourné Pregao, c'est un film avec beaucoup d'acteurs très, très célèbres en Autriche. Mais c'est pas encore sorti. Un petit rôle également ? Dans ce film, j'avais un rôle plus important. Question sans doute un peu idiote, je le conçois, mais aimeriez-vous tourner dans un film en France ? Et avec quel réalisateur ? J'adorerais jouer dans un film français et je pense qu'un de mes réalisateurs préférés, c'est Luc Besson. Quels sont vos comédiens, comédiennes préférés en France ? Avec qui d'ailleurs vous seriez heureuse de jouer dans un film ? Alors moi j'adore Emmanuel Béard, Audrey Tautou, Sophie Marceau et aussi Louane bien sûr, qui est aussi chanteuse. Oui, j'aimerais bien jouer avec elle. La plupart du temps, vous vivez en France, en Autriche ? Peut-être avez-vous de la famille en France ? Alors pour le moment j'habite à Vienne en Autriche, mais mes grands-parents habitent à Paris et je les visite... Souvent, très souvent, et j'adorais vivre un jour à Paris ou en France. Le blanc m'apparaît maintenant, comme si l'automne avait changé en printemps. Tu m'as montré qu'il faut aimer pour se trouver. La liberté n'est qu'une compagne fugitive. Je la laisse aller, je vais tout risquer et tout donner. N'avoir plus peur d'être quittée. J'ai décidé, je m'en fous. Je reste debout, même si mon cœur sera déchiré. Personne ne gagne sans le miser. Et si je perds, je perds tout. Mais je m'en fous. Tous mes efforts étaient en vain. Une quête pleine de chagrin. J'ai étouffé mon cœur à vide en enfermant et par l'angoisse mal guidée, asphyxiée, écartée. J'ai étouffé mon cœur timide. Maintenant c'est terminé. Je vais tout risquer et tout donner. N'avoir plus peur d'être quittée. J'ai
décidé et je m'en fous. Je reste debout, même si mon cœur sera déchiré. Personne ne gagne sans le miser. Et si je perds, je perds tout. Mais je m'en fous. Zoé, je m'en fous. Combien de singles et d'albums avez-vous sorti jusqu'à présent? Alors jusqu'à présent, j'ai sorti 3 singles et un album qui s'appelle Début. Et il y a quelques semaines, on a sorti la version deluxe de mon album qui s'appelle Début Deluxe. Et sur cet album, il y a la version de l'Eurovision de Loin d'ici dessus. Et pour le moment, on travaille pour un deuxième album. Vous faites beaucoup de scènes en Autriche, mais également un peu partout, à l'étranger. Pour le moment, la plupart des concerts se situent en Autriche, mais on a planifié également une tournée en Allemagne pour l'automne. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire une tournée en France également. Parlez-moi un peu, afin d'expliquer à nos auditeurs, ce qu'est Amadeus Music Awards. Alors, le Amadeus Austrian Music Awards, c'est le plus grand prix de la musique en Autriche. Vous avez été nominé, un prix peut-être? Alors j'ai été nominée cette fois au Amadeus Austrian Music Award dans les catégories artiste de l'année et meilleure chanson de l'année. Malheureusement, j'ai pas gagné car Conchita a remporté le prix. Alors, l'Eurovision, l'Autriche avait remporté le concours par deux fois, l'une en 1966, puis en 2014, et deux ans après, vous faites votre apparition et vous vous placez 13e, ce qui est formidable, sur 26 pays avec cette chanson Loin d'ici. Qui a écrit et composé cette chanson? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette composition? Mon père et moi, nous avons écrit Loin d'ici. Et notre intention, notre inspiration, c'était de rendre le monde heureux qui entend cette chanson, oui, tout le monde. Je suis à la fois surpris et très fier que ce choix de chanter tout en français, alors que l'on entend souvent des paroles anglaises, ait remporté l'unanimité dans votre pays. Mais tout le monde, tous vos compatriotes, ont vraiment apprécié ce choix. Qu'en disent les journaux, les médias? Alors au début, on avait eu beaucoup de critiques par rapport à la langue française, mais finalement, je pense que l'Autriche a accepté et aussi beaucoup apprécié le choix de la chanson et aussi du langage. Vous êtes la première chanteuse autrichienne à représenter son pays dans la langue française, et je vous en remercie. Avez-vous enregistré d'autres titres et comptez-vous en faire d'autres dans notre langue? Alors mon album entier est écrit en français. Et je pense que dans le futur, mon père et moi, nous continuerons à écrire en français. Le concours Eurovision de la chanson était très important pour vous. Vous en rêviez depuis longtemps? Faire partie du concours Eurovision de la chanson, c'était toujours un grand rêve. Et finalement, j'avais la chance de participer cette année, de représenter l'Autriche avec ma chanson. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et oui, c'était vraiment génial. Maintenant que ce concours est terminé, quelle suite allez-vous donner à votre carrière? Alors pour le moment, on est en train d'écrire de nouvelles chansons pour mon prochain album et je suis vraiment super contente que j'ai la chance de continuer avec la musique et on a aussi beaucoup de concerts dans les mois prochains. Vous avez des concerts de prévus en France cet été? Malheureusement, il n'y a pas encore des concerts prévus en France cette année, mais si vous m'invitez, je serai très heureuse de venir. Le message est passé, amis producteurs, organisateurs de concerts, écrivez-moi en MP et je me ferai un plaisir de vous fournir les coordonnées du manager de Zoé. Bien, le moment est venu, à mon grand regret de nous séparer, car ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, encore de grandes victoires et surtout aussi de venir très vite sur la scène française. Nous nous quittons sur un autre titre de votre répertoire qui s'intitule « Quel filou ». Au revoir Zoé, à bientôt. Merci, au revoir. Quand il traîne les rues de mon cœur.
quartier. Toutes les filles sont émerveillées quand ils leur regardent dans les yeux. Elles gémissent, quel filou, oh mon Dieu. Quand ils traînent les rues de Montparnasse, toutes les dames désirent qu'ils les embrassent. Elles murmurent, quelle lampe fabuleuse. Elles gémissent, quel filou, oh mon Dieu. Quel filou, quel filou, quel filou. Elles donneraient tout pour une aventure nocturne. Quel filou, quel filou, quel filou. Elles donneraient tout, mais le filou, lui, s'en fout. Regardez comme il passe les cafés. Son élégance, sa légèreté. Écoutez quand il chante les chansons du temps passé. Quel filou, oh mon Dieu. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout pour une aventure nocturne. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout, mais le filou, lui, il s'en fout. Et pourtant... L'interview est terminée.